Fondi, j'ai été à Tindian, à Bignona, et depuis lundi, il est à Ziguinchor département. Alors le lundi, nous avons eu à faire les thèmes de la commune. Le mardi, nous avons été. Le lundi matin, on a fait les thèmes de la commune. Le lundi après-midi, nous avons été jusqu'à Nyantia. Nyantia jusqu'à thème de Boutout, d'Agnac, de Banganga, mais aussi le lycée d'Ayan, où on a tenu une assemblée générale. Ce matin, nous sommes allés jusqu'à Moulon, où suit. Là également, on a trouvé les collègues sur place, les collègues du lycée de Moulon, mais aussi des thèmes environnants. On a tenu une assemblée générale. Donc, comme je l'avais dit, l'aspect juridique du mouvement, c'est ça. Pourquoi aspect juridique? Parce que justement, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui jouent avec l'aspect juridique. Vous êtes PC, vous êtes bagataire, vous n'avez pas le droit d'aller en grève. Deuxième aspect, c'est par rapport justement aux positions pouvant être occupées par son fonctionnaire. C'est toujours dans les informations, dedans. Et nous avons également évoqué les difficultés que nous sommes confrontés dans l'exercice de nos fonctions dans l'établissement. Autrement dit, les rapports entre l'agent dans l'établissement et les chefs d'établissement. Et nous allons, toujours dans les informations, parler des projets. Nous allons parler de des négociations et des comptes rendus des rencontres sur le ministère. Ensuite, nous allons donner la parole aux collègues pour qu'ils puissent réagir, poser des questions, apporter des interventions. Sur le plan juridique, la constitution du 22 janvier 2020 consacre à ses articles 8 et 25. Le principe de la liberté syndicale est celui du droit à la négociation collective. La Constitution reconnaît également le droit de grève qui doit s'exercer dans le cadre des lois qui le régissent. Je rappelle aux collègues que la Constitution, c'est la loi fondamentale de vie du 15 juin 1961 portant le statut général des fonctionnaires. Cette loi, en son article 7, modifiée par la loi 83-53, 1983 reconnaît le droit de grève aux fonctionnaires. Donc, la loi 61 a également reconnu le droit de grève. Mais c'est spécial de certains corps de fonctionnaires leur interdisant le droit syndical et le droit de grève. Il s'agit notamment de certains corps militaires et parents. Vous avez ensuite le code du travail. En son article 7, qui précise l'aspect constitutionnel du droit de grève. Il dit clairement que les personnes exerçant la même fonction, des métiers similaires ou des professions connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés pour la même profession libérale, peuvent librement constituer un syndicat professionnel. Autrement dit, tout travailleur employeur peut adhérer librement à un syndicat dans le cadre de sa profession. D'ailleurs, c'est aberrant pour dire que le PC n'a pas le droit d'aller en grève. Dans la mesure où, dès que vous venez vous recruter, on commence à vous tuer des chefs. En plus, on a des syndicats dans les autres secteurs. Et ça, c'est sur le plan inverse. Maintenant, il y a une autre disposition juridique. Concernant ce mot, depuis quelque temps, nous avons constaté l'irruption de la violence dans l'espace scolaire. Nous avons l'exemple de Saint-Louis, où une collègue a été poignardée à l'entrée de la salle des professeurs. Nous avons voulu prendre l'affaire en charge, mais finalement, elle a préféré négocier à la violence. Il y a également à Podor, récemment, il y a 2 mois, une collègue a été prise à partie par les populations au marché.
parce qu'elle a eu altercation avec un élève dans sa classe. On faisait un devoir. Après avoir lancé les épreuves, l'élève a pu sortir. Le prof lui a dit non, tu ne peux pas sortir parce que j'ai déjà lancé les épreuves. Et je vous ai averti avant de lancer les épreuves. Il y a eu altercation. Et malheureusement, on a travesti des propos ou bien ce que la dame voulait dire. On a dit qu'elle a empêché l'enfant d'aller faire ses besoins. Il y a une réparation. Lorsqu'ils ont fait l'objet à l'occasion de leur fonction de menaces, d'outrage, de voies et faits, d'injures et de diffamation. Quelqu'un m'a dit, est-ce que la diffamation ne serait pas mauvaise sur le sujet de l'homme? Tout le monde. Parce que quand on vous trouve dans notre classe, c'est pour considérer ça comme une menace. On s'est empêché de faire votre travail. Donc dans ces cas, l'autorité d'abord de l'école, ensuite l'autorité administrative doit assurer la sécurité des enfants. Mais ici ajoute également que les agents ont droit à une protection dans certaines circonstances en cas de poursuite pénale et civile engagée par un tiers ou un officiel. Même quand vous êtes poursuivi devant la justice, on doit assurer votre protection. Et il est important. C'est pourquoi quand il y a eu des problèmes à Djou, parce que Djou également il y a eu un problème, à Podor, à Saint-Louis, je vous demande à l'autorité académique et à l'autorité administrative que la sécurité de nos collègues est en train de se le faire, les syndicats et la protection du droit de l'homme. Le Sénégal a ratifié cette convention. Le Sénégal a ratifié la convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective. Il en est de même la convention 135 concernant les représentants des étrangers. Et quand un pays signe une convention, le pays est dans l'obligation juridique de respecter les termes de la convention. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, en signant ces conventions, est obligé de respecter la liberté syndicale. Son pays, avant 35, du temps du. Avant l'avènement du président Wade, l'âge de la retraite était à 55. L'entrée dans la fonction publique était fixée à 30 ans. Mais il y avait une disposition qui disait que quand vous avez 31 ans, 32 ans, et que vous avez deux enfants, on vous enlève deux ans, parce que chaque enfant équivaut à un an. Ce qui faisait qu'il y a des gens qui cherchaient des puissances paternelles. Parce que par exemple, vous pouvez adopter les enfants de votre frère ou de votre soeur pour pouvoir retirer, par exemple, si vous avez dépassé d'une année ou de deux ans, l'âge de l'intégrité. Mais lorsque Wade est venu, il a porté l'âge de la retraite à 60 ans. Et l'intégration dans la fonction publique à 35. À partir de ce moment, ces dispositions qui vous permettent d'avoir une puissance paternelle à régler, approchée. Maintenant, dès que vous dépassez 35 ans, vous devenez décision. Le fonctionnaire, c'est celui qui, régi par la loi 61-33, à la retraite, perçoit sa pension de retraite au FNR. En 1961, modifié relative au statut général des fonctionnaires qui définit en son article 55 les différentes positions dans lesquelles le fonctionnaire peut être placé. Donc il s'agit de ces des cas suivants. Le fonctionnaire peut être en activité, en détachement, en disponibilité sur les travaux. Quand le fonctionnaire est en activité, c'est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce les fonctions de l'un des emplois correspondants, soit qu'il soit affecté dans un service relevant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, soit qu'il soit affecté dans une autre administration. C'est-à-dire que, par exemple, un enseignant qui est affecté est en activité. Mais il y a certaines situations, telles que les congés, les stages de formation professionnelle, le maintien par ordre sans affectation, sont assimilés à la position d'activité. Parce que quand vous êtes en position de stage, vous n'avez pas arrêté de travailler. C'est une. Vous allez pour un renforcement de capacité et vous continuez de travailler. Quand vous êtes en congé également, vous n'avez pas arrêté de travailler. C'est une disposition qui vous permet de prendre 15 ou 20 jours de travail. Donc ces cas de figure sont considérés comme étant. On considère que l'agent est en activité. La deuxième position, c'est le détachement.
Le détachement est défini par l'article 62 de la loi 6133 du 15 juin 1960. Il s'entend d'une position du fonctionnaire, placée hors de son cadre d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre des droits à l'avancement et à la retraite. Le détachement participe à la mobilité des fonctionnaires. Par exemple, on dit, M. Tous, prof de Tarab au lycée Dinan, est détaché en qualité de conseiller technique du ministre de l'Habitat. Donc, il quitte son service de logique pour aller ailleurs. Mais il continue d'avancer, il bénéficie de tous ses avantages en ce qui concerne la retraite. Mais quelles sont maintenant les conditions pour le détachement? Et seul éligible au détachement le fonctionnaire, c'est-à-dire la personne qui, nommée dans un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des corps de la justice, effectif dans l'accord, aliénant 4 de l'article 67 de la loi 6133 du 15 juin 1960. C'est-à-dire que tu es fonctionnaire, tu as intégré la fonction publique avant 35 ans. Tu n'as pas 5 ans, tu ne peux pas être détaché, c'est-à-dire tu ne peux pas quitter le ministère de l'éducation pour aller dans un autre ministère. Mais cela ne concerne pas les députés, les membres du gouvernement et les ambassadeurs. Lorsque le camarade Carlos Sanka est nommé député, même s'il fait une année de service, il peut être détaché. Parce que ces corps ne sont pas concernés par la liberté. Quelqu'un me disait hier, donc ça veut dire que c'est le politicien de ce pays de bien. Cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, n'est-ce pas, par le président de la République pour les fonctionnaires de la hiérarchie A ou par le ministre chargé de la fonction publique pour les fonctionnaires de l'OCR. Qui relève du droit commun de la fonction publique ou par l'autorité investie ou par l'éducation. Mais quand on vous demande la disponibilité, par exemple, chef Boubé vous demandez lui la disponibilité parce que ça peut être d'office. Mais souvent, c'est les collègues qui demandent la disponibilité. C'est-à-dire que tu veux aller en France de ton propre chef pour sécuriser des trucs. Alors, quand tu vas poursuivre tes études, tu demandes une disponibilité de 2 ans, de 3 ans. Mais la disponibilité n'est renouvelable qu'une seule fois. Mais 2 mois, par exemple, tu as 2 ans, octobre 2015, octobre 2016, octobre 2017. Mais 2 mois, avant la fin de la disponibilité, tu dois demander une réintégration dans la fonction publique ou bien le renouvellement de la disponibilité. Mais lorsque tu restes jusqu'à la fin, quand tu introduis ta demande, il faut attendre que l'acte soit disponible. Et sur l'acte, on met article 1, article 2. Pour préciser, souvent les collègues de maintenant, il y a une disponibilité spéciale du personnel féminin. On a dit que l'article 82 de la loi 61 du 15 juin prévoit à l'égard de la femme fonctionnaire une disponibilité spéciale. Cette disponibilité est accordée de droit sur sa demande. La femme fonctionnaire ayant au moins 2 enfants, dont l'un est âgé de moins de 10 ans, ou frappé d'une infirmité exigeant des soins produits. Quand vous avez 2 enfants, moins de 10 ans, l'autre est frappé d'une infirmité. Il faut soigner. La femme peut demander une disponibilité. Allez, à soigner ses enfants. Mais lorsqu'on vous redéploie, alors que vous n'êtes pas le dernier, dès lors que l'IF a sorti l'ordre de service, la conduite qu'il faut tenir, c'est de prendre l'ordre de service. D'aller prendre service, par exemple, quelqu'un qui a TTT, on le redéploie pour nécessité de service à Boutou. Il doit aller à Boutou prendre service. S'il n'est pas le dernier venu, il écrit un recours. Il va déposer à l'IF avec une ampliation à son. Et si vous êtes redéployé,
alors que vous n'êtes pas le dernier, refusez d'aller prendre le service. Le principal qui est à vous, lui, il a reçu un ordre de service. S'il ne vous voit pas, il peut faire un rapport et constater l'abandon assimilable à une constatation. Eux, ils le savent, mais ils se laissent. Ils se provoquent et ils se laissent. Ils se disent que peut-être qu'ils ne connaissent pas les gens qui parlent. Souvent, les gens se disent non, ne répondent pas ou bien déchirent, surtout ne pas déchirer une demande. Parce qu'également, le syndicalisme ne vit pas avec dire des choses qui ne sont pas conformes au texte. Dès lors que nous, c'est la Constitution, le Code du travail, la loi 61, les conventions internationales qui nous permettent de nous syndiquer et de défendre nos actions par l'action syndicale. Okay. On vous donne un bain. Nous, en 2010, on a fait un voyage au Japon. Nous avons visité respectivement les localités de Tokyo, Kyoto, Nara, c'est la capitale historique du Japon et du Japon. Mais quand nous sommes allés à Kyoto, j'ai vu un monsieur, de moins de 25 ans. Le véhicule qu'il m'a montré, il m'a dit, ça c'est le véhicule. Il a un autre véhicule. Et souvent il te dit, choisis l'aide de situation, cherche un cahier. La référence en matière d'éducation dans le monde, c'est le Canada et la Finlande. La Finlande, pourquoi? Pour deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est que l'enseignant est impliqué dans toutes les réformes dans le système éducatif. Il est au cœur des réformes parce qu'il considère que l'enseignant est la pièce maîtresse du système. Et le deuxième élément, en Finlande, pour enseigner à la maternelle, il faut avoir le master. Donc pour enseigner à la maternelle, au moins élémentaire. Dans les années 70, on négligeait la licence. Maintenant, ils ont dit que licence c'est trop petit, master. C'est-à-dire qu'élever le niveau de recrutement. C'est pour revaloriser. La figure en propre du monde, puis d'après Diane de Zingenshaw, qui fait le tour de Zingenshaw. Elle a dit, eh bien. Mais on doit, c'est pourquoi nous refusons. En 2007, lorsque nous avons demandé l'indemnité documentaire compensatoire de ce stage moyen, l'actuel président était le premier ministre. C'est lui qui nous a reçus. Nous avons quitté ses locaux pour aller à la présidence. À l'époque, personne n'y croyait. Les gens disaient que Khaled est idole. Et c'est au sortir de cette audience, vers minuit, qu'on a obtenu l'indemnité documentaire compensatoire de ce stage moyen, qui est passé de 60 000 pour les tester. PCM, les instituteurs chargés de 65 000 pour les PM, 70 000 pour les PS, et on a échoué. Quand nous avons fini d'exposer, le président Ablaye Wade était dans tous ses esprits. Mais quand on a exposé, pourquoi, dans ma communication, je dis au président Mati, vous n'avez pas la bonne information sur les revendications des gens. J'ai l'impression que ceux qui vous entourent ne vous donnent pas la bonne information. Ou bien, si vous avez la bonne information, vous n'avez pas de l'école n'est pas une priorité. Parce que l'alignement de l'indemnité n'est pas une question de même. Et ce matin, quand Eresi m'a interrogé Karim Franck, qui est le représentant de la représentante de Eresi à la gare, je lui ai dit que ce que nous, citoyens, enseignants, cadres de ce pays, victimes de ce pays, nous n'avons pas pris les pirogues pour aller à Ceuta et Melilla. Nous avons accepté de rester ici dans le cerveau du monstre pour mener le combat. Le discours du président doit être un discours rassurant et un discours d'apaisement. Il a intérêt à apaiser. Ce discours ne mène pas à rien. Donc, le projet Un enseignant vécu, nous sommes en partenariat avec les concessionnaires. Ils sont prêts parce qu'ils nous disent que
Eux aussi, ils ont des difficultés avec les bonhommes, ils ne partagent pas les difficultés. Il y a un autre qui est fan. A quoi on est beaucoup de fans de petit. Je voulais voler. Donc nous, on discute. C'est ce qui a créé aujourd'hui cette situation. Quand nous avons démarré la grève, nous avons commencé par débrayage, toujours pour alerter. Mais on ne nous a pas écoutés. Par la suite, on a rencontré le ministre de l'Éducation nationale. On a rencontré le gouvernement pour évaluer le niveau de matérialisation des accords signés dans le protocole d'accord pour 2014. Mais quand nous avons évalué le protocole, on s'est rendu compte que le gouvernement n'a respecté aucun engagement. Parce que cette grève des enseignants, ce n'est pas de nouvelles revendications. Les gens se battent pour le respect des accords. Et l'année dernière, le gouvernement nous a dit que ces accords sont réalistes et réalistes. Sur les lenteurs administratives, quand nous avons rencontré le gouvernement, rien n'a été fait. Sur la formation diplômante, rien. Sur les années de vacation, rien. C'était au mois de décembre 2015. Donc il a fallu que les gens, vous pouvez. Hier, aujourd'hui, je l'ai dit à un journaliste. Elle m'a dit, mais depuis quand vous êtes en grève? Je dis que depuis presque 2-3 mois, les syndicats sont en grève. On n'a entendu personne. Comme si de rien n'était. Ils attendent au dernier moment pour dire patriotisme, civisme. Ne sacrifiez pas les élèves. J'ai dit, c'était devant les gouvernements et les médiateurs. Je leur ai dit que s'il y a des gens qui sont des patriotes dans ce pays, ce sont les enfants. Moi, je dis aux députés, je leur ai dit, est-ce que vous avez été à Medina Bafé? Medina Bafé, c'est 130 km après Kidou. Kidou, c'est 701 km Dakar Kidou. Mais Medina Bafé, là-bas, tu escalades la montagne. Le véhicule, quand nous avons commencé, le chauffeur m'a dit, je te vois à côté. Je veux te voir. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'est pas plus sage que le coup? Il m'a dit, plus beau, tu appelles les gens, je sais que tu as la volonté. Mais ça ne passe pas. J'ai dit, on avance. Quand on fait 100 mètres, on s'arrête, on regarde ce que le véhicule. Quand nous sommes arrivés, les gens étaient tellement contents. Ils nous ont dit, quand vous nous avez dit que vous venez pour nous, c'est pour chahuter. Parce qu'on sait qu'ici, pour venir ici, il est plus facile d'aller en Guinée-Bissau que de venir ici. Ces gens-là. Mais pour le droit, respect et considération. Ils sont éloignés. Ils ont des problèmes d'eau. Ils ne peuvent pas régler leurs problèmes. Comment quelqu'un qui a 800 km peut-il faire la navette entre Dakar et Kédougou pour régler un acte de Je dis, est-ce que vous avez été là-bas? Non, ils n'ont pas été là-bas. Est-ce que vous avez été à Sédougou? Dès qu'il commence à pleuvoir, c'est la troc qui traverse les corps. Oui. Dès qu'il commence à pleuvoir, venir quitter Kidira et venir à Sidibou, c'est nous. Il faut prendre la porte. Je leur dis, est-ce que vous êtes allé à l'île à Montfils de Mars? Donc ces gens-là, il faut les respecter. Et j'ai dit, le jour où les enseignants vont boycotter les élections, si le Sénégal ne fera pas d'élection. Parce que ce sont les enseignants qui siègent dans les écoles. Donc, il y a un minimum de respect. Donc, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Pour le QCS,
l'alignement de l'indemnité de logement est une question de justice et d'équité. Mon ami, qu'est-ce qu'on a? À l'époque, on nous a donné l'indemnité complémentaire, on a augmenté 20 000 francs sur l'indemnité. Parce que jusqu'en 2007, l'indemnité de logement des enseignants était de 40 000 francs. Pourquoi nous avons posé l'alignement? Nous avons dit, dans tous les corps où il y a l'indemnité de logement, cette indemnité a été hiérarchisée. Dans tous les corps. Le dernier décret qui a été publié, on a hiérarchisé de 100 000 à 1 million. 100 000, 125 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 400 000, 500 000, 700 000, 1 million. Il y a des corps, pas plus de, ils sont 150 000. Chez les enseignants, du préscolaire au supérieur, ça fait 60 000. Alors que l'UNESCO a montré que l'enseignant fait 75% de son travail à la maison. La maison de l'enseignant est considérée comme un outil pédagogique. S'il y a quelqu'un qui a besoin de logement décent, c'est l'enseignant. Donc on a dit que c'est un principe. Même les indemnités de déplacement des exams. Mais on n'a pas les mêmes indemnités. Vous prenez des enseignants qui corrigent dans le même sujet, qui corrigent la même discipline, mais tu n'as pas la même indemnité. Parce que le degré est clair. Lorsqu'on se déplace d'une localité à une autre sur une distance minimale de 70 km, en fonction de l'indice et du grade pour le premier groupe, on a 65 000, deuxième groupe, 20 000, troisième groupe, 15 000. Mais quand on fait moins de 70 km, on a le quart, 6250, 5 000, 3 000. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est l'alignement. Parce que l'augmentation est différente de l'alignement. Abdou Diouf a toujours accepté le principe d'augmenter les salaires. Quand les enseignants demandaient augmentation, Abdou Diouf disait oui, signez le protocole, je suis d'accord, je vais augmenter. Il mettait 5 000 imposés, les gens se retrouvent avec 3 000. Il mettait 3 000 imposés, les gens se retrouvent avec 3 500. Demandez aux doyens qui sont dans vos lycées. On n'a jamais dépassé 5 000 francs d'augmentation. C'est en 2007 qu'on a eu 20 000. Donc nous, on a dit que c'est comme à la maison. Si à la porte, la bonne dame vous dit que les 1 000 francs qu'on donne, c'est insuffisant. On collecte lui dit, il y a encore 2 ans. Mais si elle dit que les 1 000 francs qu'on donne, c'est le minimum qu'on donne ici dans le quartier. Les gens donnent entre 2500 et 3000. Il faut m'aligner sur les autres francs. Vous n'allez pas lui donner 200 francs, vous allez lui donner 2000 ou 2500. Et c'est ça que vous vous posez, le principe de l'alignement. Qui est différent de l'augmentation des gens. Au même moment, on sort un degré, on donne des gens. Attendez les titres au même moment. On donne 500 000 francs aux autres. Donc, nous, ça pose problème. C'est pourquoi nous, sur la question, on a dit que c'est un principe de justice et d'équité. Point par. Yamalé. Donc, nous avons eu plusieurs rencontres. Et je voudrais également préciser que si les autres, d'autres syndicats demandent d'augmentation, nous, on a dit pas. Nous avons dit que nous, on ne réclame pas les indemnités supérieures. Mais c'est avec les gens aillent en grève, bloquent les coûts, faites tous les coûts pour traiter ça. Alors que cela ne doit pas faire notre intérêt. Maintenant, pour les contrats d'engagement également, ils ont dit qu'ils vont faire une opération groupement. Et que tous ceux qui sont intégrés, on va leur donner au moment du dépôt le contrat d'engagement, c'est la délivrée au niveau de la fonction. Et déjà, des actes sont mis en ligne par la fonction publique, dans le site de la fonction publique. C'est le site du PISAC. www.pisac.sf. Maintenant, pour la viabilisation, dans 8 mois. Et nous, ce qu'on ne comprend pas, la date de Quentin, ici à Zegenchon, il y a des difficultés.
quand on a rencontré le gouverneur hier, c'est hier ou avant-hier, on lui a dit que nous on a une salle ici à Cancel pour y aller comme tu donnes des coups, mais tu en reçois. Maintenant, c'est ta capacité de résistance. C'est à partir de ce moment qu'on connaît là. Pourquoi nous avons suivi au champ pour être vigiles dans la vie? Parce que si vous regardez la communication du peuple, c'est une communication à outrance. Il y a une